Hurry! Celui-là, il est arrivé, il est arrivé trop vite, hein. Oh, l'enclume artefact. Enfin, j'aime pas les enclumes artefacts en vrai. J'ai regardé le log course à pied, vraiment cool comme vidéo, c'est vrai. Oh là là. Ah, j'ai des bons retours en vrai, j'ai des bons retours, c'est cool. Bon, ça demande pas mal de taf, hein, mine de rien. Mais comme il y a des bons retours, bah ça fait plaisir en tout cas. C'est vrai que ça demande un peu de taf en vrai. Mais plus qu'une vidéo TFT quoi. C'est vrai que ça demande plus de taf qu'une vidéo TFT, étonnamment. En vrai, c'est vraiment bien. Bah c'est cool. En plus, j'ai plein de trucs à raconter en plus moi. J'ai plein de trucs à raconter en voix off. Là, c'était la première, en plus, j'étais pas encore très à l'aise, mais je pense que pour l'épisode 2 du vlog running, si on fait. Enfin, l'épisode 2, la question c'est quand est-ce que je me motive à le faire, tu vois. Et pour l'épisode 2, j'aurais encore d'autres trucs à dire, tu vois, je pense, pour le coup. D'accord. Il y a plein de possibilités. Sinon, force faille, sinon. Ah, je suis gâché pour force faille en vrai, franchement. Bon, j'ai envie de force faille. Mais laisse-moi force faille en fait. Je faille, on joue faille. On est où là en fait? On est où? Je joue fail, on va se faire foutre. Le mec, personne lui a rien dit, il s'embrouille tout seul quoi. Allez, ça dégage, tiens, allez hop dehors. Tac, bigold. Butinage. C'était peut-être l'heure de butiner. Oh, est-ce qu'on prendrait pas le terrible jamais 203? Après, la Peluidor, c'est pas mal. Parce que jamais 203, c'est. Oh, c'est ok, c'est ok. En plus, on peut choper Katarina. Je regarde juste le Winnie de gagnant-gagnant. La flemme. Oh putain, via fortune! Il pouvait y avoir que ça pour terminer ce stream, je pense, honnêtement. Il peut pas y avoir autre chose pour finir le stream, à mon avis, honnêtement. Il pouvait en être que comme ça. Hein. Ça pouvait vraiment finir uniquement comme ça, je pense. Bon, alors, prédiction, le chat ou pas? Allez, prédiction. Prédiction. Va-t-on top 1 cette game? 5 minutes pour voter. C'est parti. C'est parti, let's go. Moi je pense que c'est free top 1, moi je pense. Hein. Je pense vraiment que c'est free top 1, si vous me posez la question. Un dernier petit top 8 pour finir à 0 LP et reset mental. C'est sûr que c'est un top 1, ouais. Moi je dis comme ça. Comme ça on termine de valider le sub goal. Si je fais pas top 1, j'offre 3 subs. Si je fais top 1, toutes les personnes sur le chat, sans exception, s'abonnent ou s'ils sont déjà abonnés, offrent un sub. Comme ça, on termine le sub goal. Voilà, je pense que. Et en plus, vous avez la prédiction en plus là. Je pense que. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Il suffit qu'une personne s'engage, ça engage tout le monde. Hein. On fait un pacte de sang. Est-ce que tout le monde est d'accord ou pas? Le bet est déjà lancé. Alors, la dernière fois qu'on a joué ça, ça s'est très mal passé, hein, vous vous rappelez peut-être. Hein. C'était très compliqué. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oh putain, j'ai ça, c'est trop fort. Attends, on va jouer Fiora du coup. Ça, c'est zinzin de l'espace, ça, hein, vraiment. Attends, faut pas gagner le fight, mais ça devrait aller, on devrait pas gagner le fight, hein, je pense ça va. 175 subs, 3 subs, c'est worse. Bah, c'est pas exactement ça, parce que, au final, ça fait 1 par personne, moi ça fait 3, tu vois, je prends 3 fois plus de risques que chacun d'entre vous, finalement. On peut le dire. Attendez. Non, mais là, je vais vous régaler, là, vous allez voir, là, mais vous allez. Je pense que personne vous aura jamais autant régalé que je vais vous régaler, en fait, là. Vous allez être ébloui, je pense. Tintintintintin. Personne n'a dit ok par contre. Ah si, tu viens d'écrire ok, système 75 là. Est-ce qu'une personne peut écrire ok dans le chat s'il vous plaît? Très important. Attends, je peux entrer portail, mais j'ai peur de gagner le fight en vrai. Ouais, merci. Pff, deux ok, tout le monde est d'accord en vrai, c'est incroyable quoi.
J'ai jamais vu un tel consensus sur une chaîne Twitch en vrai. Est-ce que vous avez mis vos lunettes de soleil d'ailleurs le chat ou pas? Je recommande. Hein. Oh putain, lui il a rien sur son board. Je vais quand même mettre ça parce que je pense qu'il me bat. Oh, putain, j'espère que je gagne pas en vrai. Ah non, si je gagne par contre, c'est la fin de carrière. Hein. Non, mais je peux gagner, ça va aller quand même, non? Bah, j'avoue que j'ai mis l'item très fort, mais. Mais bon, quand même quoi, non? Bah, j'avoue qu'il avait tellement rien. En même temps, j'ai besoin de faire des good loss si on veut s'en sortir. Hein, parce que l'autre fois, ça s'est mal passé. Oh là là, terrible si je gagne en vrai. Mais je vais jamais gagner, tranquille, tranquille, tranquille. Good loss, Jérémy. C'est bon, Jérémy. Est-ce que Zoé peut sortir les doigts de son cul, s'il vous plaît? Et flinguer le Jace, conquérant de la lumière. Non. Et te défile pas cette fois. Comment ça me défiler? Attendez, est-ce que vous m'avez déjà vu me défiler ou pas? Depuis que vous regardez mon stream. Oui, souvent même. Ah d'accord. Oh, la mauvaise ambiance sur ce stream quoi. Je le regarde depuis hier et la réponse est oui. D'accord, ok, très bien. Ah, l'ambiance est tendue dans la maison des secrets. C'est qui le bon toutou? C'est moi. On a dit que c'est la journée de la vérité. Non mais là aujourd'hui c'est le règlement de compte final hein. Cette game. Je vous le dis hein. Cette game c'est le règlement de compte final. C'est qui le bon toutou? C'est moi. Allez casse là. Montre alors c'est qui le bon toutou? Il faut au moins flinguer du nu, s'il vous plaît. Allez, bim, bam, boum. Est-ce qu'on se chaufferait pas à flinguer aussi le... Non, d'accord, ok, très bien. C'est Waterloo. Waterloo! Attends, il faut mettre de la musique épique, là, pour... Déjà 50 gold, hein. Le chat qui est déjà en train de bégayer, là. T'as fait 193, ça fait 193 subs quand même. Ennio, El Maestro. Tu peux pas perdre sur Ennio. Bah là il faut perdre hein, par contre, il faut perdre le fight. Il faut perdre la game, il faut perdre le fight par contre si possible. Oh, mais c'est que lui avec son... Je vais rien tuer avec son trash scout suspect de mort là. C'est relou ça. On a pris cher quand même, hein. 72, ça fait beaucoup de dégâts pris quand même. Hein. Par contre, mettre red buff sur le perso qui peut pas scale en attack speed avec l'item, c'est un peu con quand même, mais bon. C'est vrai que c'est con. La strat tam, mec. Bah, je vais essayer de pas cacher à 12 cette fois-ci, ok, quand même. Si tu veux bien. Non, honnêtement, le plan est bien ficelé là, comme un rôti. Ça directement, ouais, je crois. Me voilà. Ce soir, on se fait une toile.
Ah, le Swain solo front que je vais jamais tuer. Ah! Ouais, non, mais c'est parce que, ouais, mais. Ah, ça va être relou ce Swain de mort là. Parce que Kassadin va jamais tuer la Shyvana non plus. Oh, fait chier quoi. Ah, celle-là, ça s'est trop mal goupillé pour moi ce fight, hein. Son Swain il vit sa meilleure vie là, vraiment. Ah, c'est trop relou ce fight, bordel. Ah, oh, j'ai envie de caner en vrai. Le tacos, pitié. Une augmente de heal, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, oh putain, alors j'en ai rien à foutre, je vais tout roll pour le tacos. Hein. Ah bah tu... Ça c'est bien par contre, ça c'est zinzin ça en vrai. Ah bah tu le chat, tristesse est totale. On est à 6 là. Attends, les Exodia of Gold qui est reparti en boucle là. Ah ouais. On peut quand même changer en vrai. Est-ce qu'on se contenterait pas d'une 8? Non, faut aller chercher la 10 là, je pense, non, quand même. Moi, je suis prêt à cash là, dès qu'on me le permet là. Non, l'avantage, c'est qu'on est assez riche quand même dans cette game. Bon, moi, on va tuer le Kassadin ce coup-ci, je pense. Ils ont tous des gros persos solo front qui m'empêchent de clean les fronts depuis tout à l'heure, c'est trop relou. Est-ce qu'on va tuer le Tahm Kench? Ah oh, putain, non vraiment, vraiment c'est la tuile hein, cette game un peu quand même quoi. Aïe 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 aïe. 8 et 9 ont été up et 10 et 11 nerf. Ouais bah on va aller taper la... Mais là le problème c'est que si je tape la 8, faut roll au 7 et roll au 7 c'est top 7. Hein. C'est pas le préservateur, c'est trop bien avec la compo que je jouais mais bon, c'était épique. Je suis pas un Sterak pour Fiora. La Spat aurait été vraiment bien. Ah non mais non, c'est la poêle, mais j'ai le Reforge, donc j'aurais eu la poêle. Non, j'ai plus le Reforge. Ah oui, c'est vrai que j'ai Reforge déjà. Je pense que roll maintenant ça rend le pire bail mais bon. Je sais pas quoi sur la 9 sinon je roll le 9 hein. Je roll pour gagner la 9 je veux dire. C'est chaud, est-ce que je tente là. Je peux être très... A 8 tu peux avoir des légendaires c'est pas mal. A 9 tu peux avoir légendaire à 9. C'est vrai que la 10 elle fait pitié un peu quand même hein, la vache. Bon, je crois qu'on va leur faire une 10, je crois, hein. Mais la 10 c'est triste, hein. Putain, qu'est-ce que c'est triste la 10.
Il y a des trucs à 9 mieux qu'à 10 limite quoi. J'abuse un peu mais bon. La 11 c'est bien mais... Je suis pas ultra optimiste le chat si je dois être parfaitement honnête avec vous. J'ai pas eu de chance sur mes natural rolls en vrai, j'ai pas eu un perso, j'ai pas eu d'upgrade. Mais mes natural rolls ont été assez puants finalement. La 11 est bien, mais c'est greedy d'aller chercher la 11. Hein. Mais la 11 est vraiment bien en vrai. Ah, la 11 est potentiellement excellente en vrai. Ouais, j'ai pas eu de chance sur les fights. Chaque fight individuellement a été terrible. Alors j'ai pas trouvé karma déjà, ça sent pas bon hein. Pourquoi je suis sur le banc encore? J'ai pas trouvé karma, j'ai pas trouvé Morgana. J'ai pas trouvé une brillard éventuellement. Enfin une good loss là non? C'est bien de tuer Shen et de perdre en fait là. Ok, la 11 est zinzin. La 11 est zinzin et j'ai encore 16 HP. C'est maintenant en fait. C'est juste maintenant le chat là. C'est juste maintenant que tout se joue en fait là. Ouh. Pourquoi ça me donne les deux trucs érudits, bordel, what the fuck? Ça le fait là, non, franchement. Avec mon item de zinzin là. J'aurais peut-être dû mettre le spell crit sur elle, du coup, non? Ouais, vu les items, sûrement. Ça part de là, ça part juste de là en fait. Hein. Là, on y croit de fou là. Oh, la Fiora qui a cassé dans le vent, bordel. La Fiora qui a fizzle là. Ah non mais la Fiora qui fizzle, je m'en remets pas hein, par contre. Hein. Est-ce que j'ai peur parce que la Fiora fizzle? Je crois hein. Je me retrouve à faire une 12 comme l'autre fois. Je me retrouve à faire une 12 à tous les coups comme l'autre fois. Ou juste mourir en fait en sans Gashin. C'est aussi autre possibilité hein. Non mais c'est la pire la 12, j'ai envie de crever quoi. Mais attention, on va juste même pas cash in en vrai t'sais. Moi je prends Dame Genge au cas où hein.
Bon, j'ai fait la 12. Le problème de la 12, c'est que t'as plus 1 à tous les traits. Dans ce cas-là, il faut rentrer Arcane avec Tam Kench. Attends, il y a l'aspect Arcane, ça existe l'aspect Arcane, non? J'ai pris son... Ah non, y'a pas l'aspect Arcane. Merde, on peut pas crafter l'aspect Arcane. Ah merde. Ah, j'ai chié là. J'ai mal calculé mon truc. J'ai pris avant de regarder. Scotch à l'épée. Chasseur. Merde. Bon, j'ai peut-être chié sur l'aspect là, j'aurais dû prendre Sterak pour Fiora. Bon, j'ai pris la poêle à frire, j'ai paniqué. Vous voyez le même de la vieille qui sort du supermarché qui dit j'ai pris n'importe quoi, j'ai paniqué. Bah c'est moi. Par contre ça, ah, mais j'ai déjà Fiora 2 en plus, super. Par contre, allô. Allô le cache. Allô. Putain, mais une heure pour cache, bordel. Donc on a vu que Nico servait à rien quand c'est comme ça. Et on avait dit que Gwen sert à rien non plus du coup. Voilà. Donc là, là ça donne 440 HP à tous mes persos, c'est pas mal en vrai. Par contre ça, ça sert à rien du coup. Par contre j'ai pas roll. Ouais mais du coup on joue plus Gwen, je sais plus ce que je veux. Du coup pareil, je crois que Zilean n'est pas fou du coup. En fait là faut essayer d'entrer les synergies en fait. Par contre j'ai pas trouvé de Morgana, c'est un peu relou. Et j'ai encore Karma 1, ça c'est relou aussi mais bon. Diana peut rentrer double synergie, c'est pas mal hein. Alors, les trucs qui servent un peu à rien, je vais essayer quand même le... Non mais c'est dans le givre du coup. Ouais, le incantateur c'est une spade, ça compte pas trop. Ouais finalement ça va. Gwen, on nous a fait un peu, faudrait trouver Arcane 2, Nasus 2, Tam Kench 2, j'ai tout qui est 1 en fait dans ma team là, c'est un problème hein, quand même. Après je sais plus, ah si ouais, on aurait peut-être dû rentrer Harry, on avait dit qu'Harry c'était quand même pas mal en avalier du coup. Mais du coup on peut rentrer Milio over Zilean, ouais, non, on avait dit que c'était Harry over Zilean, on avait dit, je me rappelle. Et quand même, Karim était pas mal à la place de Nasus du coup. Ouais, c'est vrai, j'avais zappé mais... C'est tellement compliqué ce pivot là. Heureusement je l'ai fait une fois mais ça suffit pas non plus à être... Bien après, allez, recasse sur... Ah, elle a pas one shot mais bon. C'est tellement dur comme pivot mais je crois qu'il faut rentrer les 5, donc je vais acheter Harry. Je crois que ça donne tellement d'HP quand t'as les 5. Non mais c'est Harry pour Bard en fait, comme ça elle garde érudit. Après Zilean en 0 synergie finalement. Comme l'autre s'autodonne chrono donc. En fait non, c'est peut-être Bard et Zilean qui dégage tout simplement en fait hein. Donc là tu vois, tous mes persos ont 750 HP en plus déjà là. Et là il faut Ekarim over Zilean je pense. Karma dégage, c'est compliqué en vrai. Il faut mon Starak Fiora absolument là, c'est importantissime. Après j'ai au Karma en 0 synergie mais bon, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de stuffer l'autre là. 1375 HP sur tous les persos. Bah non, ouais. Oh oui, note en vrai. Plutôt. Merde, ça me laisse pas de guerrière. Ah, mais le problème de guerrière, c'est que je l'avais déjà en fait. Ça me fait pas une synergie de plus en fait. Elle se passe si bien que ça, guerrière en fait. J'aurais peut-être dû essayer de faire une autre spat. Parce que finalement, faire des spats c'était assez intéressant dans la mesure où ça me permet d'avoir une synergie de plus pour booster Tam Kench, tu vois. Genre Fae, après bon, ouais, Atomizer, je sais plus si Atomizer, mais si je crois qu'il y a. Il n'y a pas Atomizer ça alors. Ils ont sélectionné avec parcimonie leur truc. Hein.
Mais oui, là, Milio est pas fou parce que j'ai déjà érudit. Peut-être faut réfléchir à qu'est-ce qui me donne une synergie de plus, tu vois. Après, comme on le disait, lui, bah aussi, lui maintenant, du coup, il donne une synergie, il donne chrono maintenant en soi. Bah, Morgana entre la sorcière, c'est ça du coup? Ou j'ai déjà sorcière là? Ouais, donc Morgana est bien parce que Morgana rentre. Ah non, j'ai déjà sorcière. Avec Fiora, c'est vrai. Attends, mais qui pourrait faire office de bon niveau 9 là du coup? Lui, il rentre au moins une synergie de plus. Ah, j'avoue, Kalista rentre faillé à se désarme. Ok. Ok, Kalista, c'est excellent, les gars. Mais bon, faut tenir jusqu'au niveau 9. Mais là, je pense que les HP en plus, c'est vraiment fort. Après, c'est mon Xerath, hein, sauf de merde. Mais Olaf rentre givre et chasseur aussi, c'est vrai. Ok. Parce que chaque synergie que je rentre en plus, c'est 125 HP en plus sur tous les persos de ma team, quoi. Je vais faire le calcul, c'est assez insane. Surtout que la Fiora, elle a un stuff où ça rend ça vraiment pas mal, hein, pour le coup. Le Sterek. Ma Fiora termine vraiment avec un nombre d'HP potentiellement faramineux, quoi. Quand elle passe sous les 35%. Attendez, est-ce qu'on est pas en train de croire au top 1 de nouveau, le chat, là? En vrai. Je rappelle hein, que des gens se sont engagés pour tout le chat. Hein, si on fait pas top 1, je vais offrir 3 subs. Mais si on fait top 1, toutes les personnes sur le chat doivent s'abonner ou offrir un sub, je rappelle. Hein. On a fait un pacte de sang. Tous ensemble. Un pacte. Malade mental. Après, vas-y, je peux pas tout le monde quand même, c'est pas possible en vrai, non? On battra jamais tout le monde si. Je peux. On va voir. Ça va de réussir à finir avec des meilleurs items sur. Bah là, la smart incantateur sur Xerath. Ouais, c'est pas si mal en vrai, hein, ça donne de la paix, mais bon, deux. On a dit que Kalista c'était vraiment bien, on l'a dit. Mais attends, d'abord j'ai envie de prendre un casque adaptatif et de le filer à mon Xerath, je crois. Parce qu'il a passé le mana avec Blue Buff de mort là. Ça aurait pu être Shogin aussi, mais. Mes casques. Ah, moi genre, je peux pile poil level up et rentrer Kalista, c'est quand même 300 HP en plus sur tout le monde. C'est pour ça que Kalista ou Olaf, mais bon. Ah, je peux pile level up. Ah, peut-être regretter finalement. Ah le. Ouais, c'est pas mal ça. Attends, ouais, si je vais pas regretter de pas avoir pris Kalista pour juste level up cash, mais bon. Ah, sinon Nick je level up quand même, genre de la Morgana. Ça reste une spike. D'avoir 4 préservateurs, ça reste une bonne spike, hein, faut pas déconner quoi. Après j'aurais pu. Du coup j'aurais pu roll du coup dans ce cas-là. Dans ce cas-là, j'aurais pu lâcher un roll ou deux et. Parce que Morgana rentre pas d'HP en plus sur Tahm Kench, mais elle rentre quand même 4 préservateurs donc. Parce qu'elle est déjà sorcière, j'ai déjà sorcière et préservateur donc. Radou, c'est vraiment le meilleur cache, hein, j'ai pas peur de le dire. Attends, je peux acheter ça pour le prochain fight, parce qu'en vrai, si on récupère un composant sympa pour la poêle à frire, ça peut être très fort. Hein. Après, y a rien qui me ferait une synergie. Bah, si chasseur si, ou as des armes, en fonction de ce que je rentre, ça peut être bien. Il faut Kalista ou Olaf. Donc là, on a récupéré 300, on a récupéré 250 HP en plus sur tous nos persos. Donc là, tous nos persos ont 1625 HP supplémentaires. Ça commence à être beaucoup en vrai. Maintenant, faut pas qu'on manque de dégâts, c'est tout. D'ailleurs, j'ai encore Nasus sur le board, mais Nasus, ça devrait être Briar ou pas? Non, parce que Nasus, ça rend pyromancien alors que Briar, rien quoi. Briar, ça rend juste. Ça rend pas Eldritch quoi. Ça rend juste Métamorphe donc. Je récupère une ceinture, c'est quoi ceinture? Ah, c'est préservateur non? Ah non, c'est Métamorphe. Mais du coup, je pourrais enlever Nasus en fait, du coup. Oh, attends, je peux enlever Nasus et on peut aussi rentrer Kalista du coup.
Attends, mais c'est zinzin ça en vrai. Donc, on va faire métamorphe Tamkench. Et en fait, lui, il va perdre une synergie, mais Kalista va en rentrer deux. Trois Fae plus trois As des armes. Ah, j'y crois là. Ah, la game de psychopathe en vrai. Voilà, maintenant tous mes persos. Attends, c'est pareil, non? 1750, non? Ah non, c'est ça, ça rajoute. Tous mes persos récupèrent 125 HP en plus maintenant. Ça commence à être intéressant. On va avoir Xerath 2 par contre, je veux. Bon, ça, je rappelle du vent des Karim, j'aurais du vent de Morgana, mais c'est pas grave. Je trouve Xerath 2. Ça devrait aider, ça, je pense, hein. Ok, ça commence à sentir bon cette histoire. Ah, la game du siècle là. Attends, il y a Briar, il y a une Briar 2 vraiment vénère en face là. Attends, pourquoi il y a sa Briar qui est en train de tuer toute ma team avec le GS là. Allô. Heureusement qu'elle a une Warmog Briar, hein, putain. Souuuu. Oh, tard l'époque, hein, comme disent les jeunes. Hein. Merde, il est bientôt tout level 3 lui là. Regardez le nombre de synergies, j'ai jamais vu ça. Hein. Smolder serait bien aussi au niveau 10 vu qu'il rentre double synergie, mais bon. Ah, oh, c'est trop fort, bordel! Bon bah voilà. Et me dites pas que je perds maintenant, je suis pas prêt à l'entendre hein, franchement. Par contre j'aurais peut-être pu roll pour une breloque en vrai hein. Oui c'est vrai ça, je me sens un peu trop à l'aise. Mais lui je trouve pas si fort que ça lui, je pense que je le casse en deux hein. Je sais pas pourquoi il est encore là dans la game lui en vrai. Genre les deux mecs que j'étais gamin ils étaient 10 fois plus forts. Je suis presque moins à 20 je pense. Non j'abuse mais... J'ai WTW confiance totale. Bon préparez la CB le chat hein. Pourquoi ça me met deux fois la même? Bon, l'armure c'est très bien contre lui en vrai. Déjà sub! Ouais, mais quand t'es sub, justement, le principe c'est qu'après t'offres un sub du coup. C'est vrai que c'est un peu grâce à ta tech, Melka. J'avoue, elle est pas mal ta tech. Ah, bah si, c'est la règle, c'est la règle. Attendez, je peux encore perdre en vrai. Qu'est-ce qu'elle est belle cette Fiora. Tout était calculé, mesdames, messieurs. Tout était calculé. Bénef. J'y croyais pas vraiment. Et merci beaucoup Vera14 pour la bonne.